Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je pense que j'ai beaucoup de fièvre, j'ai un ganglion qui a poussé dans... Non, ça vous fait rigoler. Oui, monsieur, il est dans ce moment. Non, mais... Je vous inscris. C'est souvent, oui, souvent, quand on arrive là, c'est corsé quand même. Tout et n'importe quoi. C'est qu'on peut vraiment avoir ici... Et ça peut bouger en 3 minutes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Monsieur? C'est son brancard là-bas? Oh, il est tout mouillé en plus. Monsieur? Bonjour? Monsieur? Monsieur, on se réveille. Ah, si je vous réveille, vous n'allez pas aimer. Hein. Ah, voilà, il est réveillé là. Allez, monsieur. Ouais. Bonjour. Oui. Vous avez, pourquoi vous êtes levé de votre brancard? Je peux savoir? J'ai bardé mon sac là-bas. On vous remet sur votre brancard. Si vous allez vous faire mal, vous ne tenez pas debout. Vous allez vous faire mal. Voilà. Voilà, faut pas tomber, remettez votre pantalon. Allez, attendez, faut lui mettre un drap ou là, c'est comme ça. Allongez-vous, c'est mieux. Voilà, allez-y. Voilà, vous serez mieux comme ça. Hop là, allez, on remet les barrières. Tenez votre sacoche, faut pas la perdre. On va me prendre nous là. Ça va aller? Merci. Il m'a juste dit avec ça, s'il vient à gauche. Elle est encombrée plus. Je sais, c'est pas le problème. Je vais essayer de l'aspirer après un petit peu. Et j'arrive pas à avoir une saturation correcte. Le problème, c'est qu'on va pas la tuber, ça c'est sûr. Ah ben, donc il faut qu'on fasse un peu du palliatif pour elle. D'accord. Si tu veux que je fasse. Tu vois, en fonction de la fréquence respiratoire, morphine ou pas morphine. D'accord. Le problème, c'est de savoir si c'est un AVC hémorragique ou un AVC... Madame, j'ai fini de vous embêter, hein? Elle a une tempête à combien? 34,5. Mets-lui une couverture, s'il te plaît. Chauffante. Elle est froide. Oh, c'est pas mal, hein? Alors ouais, elle serre la main et tout, hein? Ouais, c'est pas mal du tout, hein? Bah oui, hein? Parfait. Alors, vous allez être hospitalisé, mais pas très longtemps, je pense, pour faire un petit peu le point par rapport au cœur. Parce que hier, vous aviez comme une petite souffrance du cœur. Ah bon? Une petite insuffisance, oui. D'accord? Moi, chez moi, me manque. Oui, mais j'imagine. Vous allez monter tout de suite dans une chambre, vous allez être dans un lit. D'accord? Mais par contre, on est pas mal. Bon, sur un brancard, vous croyez? Oh, il y en a qui couchent par terre. C'est vrai.